Je te remercie, Julien, pour cet entretien. Et donc, le premier extrait hein, du film, c'est le début du film, hein, qui montre ce paysage aérien. De ce paysage aérien, on descend dans les ruelles du quartier Caracara. Ce film, ce début du film, hein, j'ai remarqué un contraste, parce que dans ces ruelles hein, de Caracara, il y a animaux, hommes, charrettes et motos se côtoient. Hein, et donc, dans ces rues sablonneuses et poussiéreuses. Et donc, c'est ce qui montre hein, de ce film que c'est vraiment à travers ce film, j'ai senti le Niger en miniature. Le Niger en miniature, un Niger comme un pays profondément rural. C'est la ruralité du pays. Et donc, c'est aussi une société en transition entre, bien sûr, la ruralité et la modernité. Donc, ce début du film, ce paysage m'a beaucoup touché. Et on se rend compte ici que il manque d'infrastructures urbaines et également il manque aussi de planification urbaine et également un problème de gestion hein, de collectivités locales. Donc ça c'est une situation qu'on trouve un peu partout au Niger, mais aussi même au-delà, au Sahel, dans beaucoup de pays sahéliens, l'urbanisation pose problème aujourd'hui. Il faut dire que le Niger, c'est un jeune État, c'est un pays qui est immensément grand, mais il faut aussi dire que ce manque d'infrastructures est lié aussi aujourd'hui à aux questions de gestion des zones urbaines. Donc, c'est pas seulement Zander, mais toutes les grandes villes du Niger connaissent ce problème. Parce que aujourd'hui, sont pratiquement dans ce qu'on appelle la décentralisation avec le transfert de la gestion des zones urbaines aux collectivités. Mais malgré ce transfert, les problèmes demeurent. Et donc, et à ce niveau aussi, il faut dire aussi, c'est aussi un problème de représentativité, mais aussi le problème, parce qu'il faut dire que les collectivités sont gérées par des élus. Donc, là aussi, un problème de démocratie. Parce que est-ce que ces élus sont élus sur la base de programmes ou bien sur la base d'autres considérations? Le pays, le Niger, c'est une bonne partie de la population est analphabète. Donc, et souvent, les gens votent par considération communautaire et parfois aussi, ils votent pour des questions matérielles, des achats de conscience, n'est-ce pas? Et donc, tout ça fait que une fois élu, l'élu n'est pas
obligé à respecter un certain programme, parce qu'il n'a pas été élu sur la base d'un programme, mais sur la base d'achat de conscience. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui rentrent, hein, dans ces dernières années. On a vu en termes de démocratie beaucoup de flottements et de changements. L'ai dit, hein, le Niger est profondément rural. Donc, l'aspect, la ruralité, il faut en tenir compte dans le développement, dans la mise en œuvre des actions. Donc, on ne peut pas devenir d'un espace rural des années après un espace moderne. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Il faut beaucoup d'investissements à faire. Et donc, et là, la ruralité et une transition, une modernité en transition mal réglée, nous sommes dans une sorte d'anarchie, parce que vous avez vu comment les charrettes, les gens se déplacent en charrette. En charrette, c'est la majeure partie des populations se déplacent en charrette avec des animaux. C'est ça le paysage. C'est ça le. Parce que, d'abord, même ceux qui utilisent les véhicules, il n'y a pas assez de routes, n'est-ce pas? Ça dépend des saisons. Il y a des saisons où il y a des endroits où on ne peut pas aller en voiture parce que les productions agricoles, on ne peut pas. Le transport, il y a des difficultés de transporter ces productions-là agricoles par manque d'infrastructures, parce que par manque aussi de planification, parce que ce n'est pas des problèmes auxquels il faut répondre en une ou deux ou trois ans, mais il s'agit de mettre en place une planification urbaine pour essayer de répondre aux besoins des populations. On a besoin des zones rurales et on a besoin de renforcer les capacités de ces zones pour fixer surtout la population. Il ne faut pas que les gens, parce qu'aujourd'hui, la tendance est que les jeunes quittent ces zones rurales parce que y a rien à faire. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité. Et donc, ils sont contraints de quitter ces zones rurales pour venir dans les zones urbaines. Or, vivre en zone urbaine, ça demande beaucoup de moyens. Il faut essayer de se faire sa place en zone rurale, en zone urbaine. Et donc, on a aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas seulement au Niger, toutes les grandes villes africaines, notamment ouest-africaines, connaissent ce problème. La croissance dans les zones urbaines et pose beaucoup de problèmes, des défis aux États, et des défis en infrastructures sanitaires. Les écoles, etc., etc. Donc, c'est un vrai problème que nous avons aujourd'hui vis-à-vis par rapport à la démographie, hein, la croissance démographique. Merci. Il faut valoriser les points d'eau, hein, pour permettre des irrigations, parce que d'abord, et valoriser, c'est-à-dire faire tout pour maintenir l'eau, hein, conserver l'eau et mettre en place des systèmes d'irrigation qui permettent aux populations de pratiquer la culture en toute saison. Et également, aussi, parmi les infrastructures, les questions de santé, d'avoir le minimum des services de santé hein, qui permettent aux populations de se soigner sur place sans se déplacer, sans faire de longues distances. Et donc, se soigner sur place. Et également, comme infrastructure, on peut penser également aussi des centres de formation. Donc, que ces populations puissent avoir des formations et sur place et pour mener. Arriver à faire des activités qui leur permettent d'avoir des revenus.